Et on se réveille par un temps magnifique avec des corbeaux en guise d'alarme. Il nous reste encore 2 heures. Il nous reste encore 2 heures et on n'est pas encore fatigué. Enfin, on n'est pas remis complètement. On pourrait dormir encore un peu. Enfin, non, on va pas dormir encore un peu. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des plumes. Donc, bienvenue. Nous sommes donc dans une zone qui est proche de Blackrock, qu'on m'avait dit d'aller fouiller. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, jusqu'à présent, on a récupéré pas mal. Ouf, on a froid, maman. On a récupéré pas mal de plantes, des baies, des champignons, tout ça. On a encore beaucoup aussi de... Comment ça s'appelle? Mince, de... Je vais y arriver, hein, je vais trouver mes mots, hein, vous inquiétez pas, un jour. De baies, de champignons, oui. Et de... Massette. Et on a aussi trouvé de bois pour faire des flèches. C'est bien cela à chaque fois, c'est pour faire des flèches. Jeune boulot. Donc ouais, ça vaut le coup. Honnêtement, on a fait une petite aventure, ça valait le coup. On a même trouvé un pistolet de détresse. Bah tiens, on va le déposer, parce que je crois que c'est 0,50. 0,40, ouais, c'est pas énorme, mais... On va le déposer. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi à déposer qui est pas vraiment intéressant à porter? Est-ce qu'on a une zone sur le côté droit? Apparemment, ça a l'air encore un peu grand. On pourrait même déposer des massettes, mais bon, pas grave. Ça a l'air un peu grand, donc on va fouiller. Donc dans cet épisode, on va fouiller le reste de la zone. Si jamais il n'y a rien, on retourne à la prison. Tout simplement. En tout cas, c'était une bonne petite vadrouille, j'ai envie de dire. Une bonne petite vadrouille. Allez, c'est parti. Ah oui, et un kit de couture aussi. Par contre, aujourd'hui, il fait pas mal froid. On a encore des champignons à récupérer. Le truc qui pourrait vraiment compléter en fait cette découverte, cette petite exploration là, serait de trouver des lapins. Ça serait vraiment top du top. Oh mon dieu, il y a des lapins. Parce que les zones comme ça, c'est souvent lapin en fait, mais j'étais pas sûr. Alors, est-ce qu'on peut leur balancer une torche dessus? Non. Alors, on va faire ça. On a encore des massettes. Je sais pas s'il y a quelque chose là-bas. On va aller vérifier. Mais d'abord, on va s'occuper des lapins, c'est le plus important. C'était complètement con ce que j'ai fait. J'aimerais tellement tirer des flèches. J'ai envie de tirer des flèches, mais bon. Ok, très bien. Faudrait pas trop les abîmer, quoi. Enfin, après, honnêtement, on en a beaucoup. On en a beaucoup, des flèches, donc... Enfin, on a... Non. Au début, ce qui était embêtant, c'est de pas avoir de bois pour faire les flèches, faire des fûts de flèches et tout ça. Maintenant, on en a. Donc, je vais être honnête, c'est plus vraiment un problème. Ah oui, pendant la nuit... j'ai pas encore fait découper la vidéo, mais pendant la nuit, il y a eu une tempête... Il y a une tempête, donc c'est fort possible qu'on retrouve encore des petits bouts de bois, genre
derrière. Non. Non, on a juste cela. Par contre, il fait quand même vachement froid. Ok, cool. Parce qu'on a encore le feu qui est bien, qui dure longtemps. Donc autant en profiter. Donc, déjà, on va enlever ça. Si, t'as déjà eu beaucoup plus froid, t'inquiète pas. T'inquiète pas. 4 heures, très bien. Donc on va faire comme ça. 13 minutes à la main. Quand on sera plein en chaleur, on va ressortir. Je pourrais même faire de l'eau en fait. Autant que tout soit utile. Ok, à la chaux. On pourrait même couper genre un gros tronc là, mais on va pas le faire. Ce sera un peu une perte de temps. Ok. Est-ce qu'il y a encore du bois qui traîne? J'en vois là. Dans les massettes. Ah ouais, non, ça a l'air vraiment cool en fait cet endroit. Bon, attendez, on va prendre les massettes, comme ça sera fait, on n'a pas besoin de s'arrêter sur le chemin. Bon, on en avait qu'une. Ouais, non, ça a l'air de... Ok. Par contre, j'espère que c'est pas genre la sortie de la zone en fait. Et qu'on se retrouve genre. Je sais pas, on m'avait dit quoi? Genre. La vallée charmante, je crois. Faut que je regarde la carte aussi, parce que ça va nous donner une idée. Bon, par contre, si on se retrouve à la vallée charmante, ça dépend où est-ce qu'on se retrouve. Peut-être qu'on. On fera une pause à la vallée charmante. Mais honnêtement, c'est pas vraiment une zone que j'aime bien. Parce qu'il y a beaucoup de... Beaucoup de tempêtes. Beaucoup de tempêtes, donc c'est pas vraiment l'endroit que je préfère. Voilà, 5 heures. Très bien, eau potable. Eau potable. Bien. Attends, 4 heures. Hop. Voilà, c'est cool. C'est cool. Voilà, très bien. Alors, on peut voir un peu. Ça, les boyaux, on va les laisser. Je sais même pas si on va les prendre, les boyaux, honnêtement. Ça, on garde. Ça, on va les mettre à cuire. Eau potable. Ok. 20. On est quoi? Il fait presque midi. Ça marche. On a 8 litres. Où mettre les choses. Ah, très bien.
J'aimais bien, si vous vous rappelez, si vous avez regardé la saison, c'était la saison 6 avec les mods. Le fait aussi, il fallait trouver des bouteilles d'eau en plastique pour les remplir et tout ça. J'aimais beaucoup, honnêtement. C'est vrai que c'était vraiment pas mal, hein, ce système. Faut être honnête. Hein. Faut être honnête, c'était sympathique, ce système. J'ai bien envie de recommencer. Et 6, donc on va faire 6. Ah, j'aurais dû mettre de l'eau aussi, non, c'est pas grave. 9 minutes. Oui. On va manger ça, les deux parties. Ouais, très bien. Hop, pas plus. On va reprendre une bouteille. Et... hop. C'est parti. Parfait. On a encore 3 heures de feu. Ah, on aurait pu prendre plusieurs torches. Faire une chaîne de torches. Mais... pas, non, pas envie. Mais on aurait pu faire ça. On va déjà avoir... ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça, en fait. Comme ça, on garde le feu. On verra, de toute façon. On verra où est-ce qu'on doit aller. Enfin, s'il y a quelque chose d'intéressant. S'il faut, il n'y a strictement rien. Autant garder le feu derrière, comme ça. Voilà. Ah, j'aurais dû faire une... une chaîne de torches, quand même. C'est pratique. On a des torches sur nous, hein, mais... c'est une grotte. C'est une grotte ou... non, ça n'a pas l'air d'être une grotte crotte. Non, on n'a pas besoin de la lumière. Putain, c'est super étroit par contre. Hein. J'étais en train de me dire, si c'est vraiment une grotte, bah du coup, on allume une des torches que j'ai sur moi, mais ça... non. C'est juste un chemin étroit en fait. Waouh. Encore heureux que ça peut pas s'ébouler. Hein. Voilà. S'effondrer, pas s'ébouler. Il y a des éboulements, mais c'est s'effondrer. Mon Dieu. Oh, putain, il m'a fait peur, ce con. What? C'est bien, on a cassé une flèche. Je
prends pas le lapin parce qu'en fait je sais pas où on va. Donc je sais pas si on fait demi-tour ou pas. Là par contre on dirait une grotte. Non. Qu'est-ce que c'est que ce chemin, quoi? J'ai peur qu'on tombe nez à nez avec un truc. Genre un truc un peu plus gros qu'un lapin. Je prends des corbeaux à gauche. Il fait pas très froid. Ça me dit quelque chose cet endroit. Non? Il fait pas assez jour hein, pour faire chaud. C'est embêtant. Il fait pas assez jour, on est d'accord. Bon. Ça aurait été bien là. C'était le col du gardien, ça marche. On a beaucoup de bois là-bas. Je vais voir s'il n'y a pas autre chose qui traîne. Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais récupérer la viande. Ça sert un peu à rien de faire là parce qu'on va pas faire de feu. Elle est fatiguée. Si on retourne pas, le feu il va s'éteindre là-bas. On a 1 kg de viande ici. Je sais pas trop. Là, j'avoue, je sais pas trop si on avance, on recule. Alors, grotte. C'est quoi ce bruit? Oh la vache! Après, on peut dormir ici. Normalement, ça devrait pas être trop sombre. Donc ça va. Parce qu'en fait, il y a plein de zones de lumière, donc j'ai pas vraiment envie de sortir une torche ou quoi que ce soit. Donc il y avait un passage vers la gauche qu'on n'a pas pris. Non, ça doit être le chemin. Le chemin vers la gauche, ça doit être celui-là, je pense. Je pense que ça doit faire un cercle. Quoique. On peut passer par là ? Ouais. Là, normalement, je vais toujours vers la sortie. Ok, par contre, là, je vois rien. Donc, si jamais il y a quelque chose par terre, je vois pas. Ah!
Bah, parfait. Okay, très bien. On a énormément de bois sur nous, donc on peut faire un feu un peu où on veut. Et on peut dormir ici. Et on a encore un steak sur nous. Donc à peu près 1000 calories, on a de l'eau. Et on a un steak à l'extérieur avec le cerf. On a des allumettes et tout ça, on peut faire du feu. Et on a le sac de couchage, on peut dormir où on veut. Donc ça va. Donc il n'y a pas de pro... Il y a pas de... C'est joli ça. C'est joli ça. Très joli. Y a pas vraiment d'alerte. Pas de problème. C'est juste que, ouais. Faut falloir savoir si on avance, si on recule. Je vois rien, ça. J'espère juste qu'il va pas avoir de corde en fait à prendre dans ces grottes là. Ça. Ça on pourrait le casser. Ah les deux on pourrait les casser. Parce que les deux comme ça, des gros bois dans la grotte, ça c'est bien ça. C'est vachement bien. On peut faire du feu là ou pas? Oui on peut faire du feu. Intéressant. Ça c'est pas mal ça. J'aurais dû me baisser tiens, parce que je sais pas où on sort. Col du gardien sud. Oh mon dieu. Où est-ce qu'on est ? Col du gardien sud. C'est quoi ça, du bois ? Oh ! Ouais mais attends... 38. Ah, il nous faut vraiment du charbon en fait pour dessiner les maps. Du coup, moi on m'avait parlé du col du gardien sud et nord. Ah par contre il y a des loups. Donc c'est pour ça que je suis là. Mais je pensais que c'était genre des zones... Est-ce que je peux passer comme ça? Je pensais que c'était des zones genre en haut et en bas par exemple. Entre deux zones. Vous voyez ce que je veux dire? Oh. Je vais voir un peu ce qu'il y a. Il y a un truc qui monte. Un truc qui est là. Je crois qu'il redescend. C'est pas celui-là. C'est pas lui que j'entends. C'est un autre. Voilà. C'est ce que je pensais. On va en profiter. Après s'il bouffe la peau, c'est pas grave. Il bouffe la viande, c'est pas très grave. Ok, parfait. Ça nous fait...
que deux. Oh, c'est un brouillard. Et je pense que... On a marqué notre territoire. Ah ok, c'est là, ça c'est pour des... Ok. Donc là, nous on vient de là, donc là on a côté droit et de côté gauche, d'accord. Ça marche. Bon, par contre, brouillard, ça c'est un peu embêtant. Ah, il a bouffé même la... Ouais, non, il a bouffé la peau si on était trop lent. Merde. Il n'y a strictement rien à récolter. Ah, c'est chiant ça. Ah. Alors, est-ce qu'il y aurait des habitations ici? Par contre, là, c'est de la... la glace avec de l'eau. Enfin, de la glace cassée. Ok, ouais, donc moi, enfin, je montrerai après quand on se fera une petite pause, quelque part. Mais imaginez, genre, la zone de Blackrock. Moi, je pensais que quand on me disait, genre, le col du nord et du sud, donc il y avait une zone, genre, en bas, et une zone en haut, en fait. Moi, je le voyais comme ça. Est-ce qu'on peut marcher, dessus? Je pense pas que la glace soit complètement solide. Je peux me tromper, hein, mais je doute un peu. L'orteil. Donc je pensais que c'était en haut et en bas. Et en fait non, c'est deux zones côte à côte en fait. C'est juste pour dire qu'il y a une partie haute et une partie basse. Donc c'est intéressant. Ah, il y a des poteaux électriques. Ah mais c'est vachement sympa, hein. Honnêtement, c'est vachement sympa. Hein. C'est pas mal le brouillard. Enfin, le brouillard. Enfin, c'est chiant pour voir, mais comme j'ai dit, à chaque fois quand il y a du brouillard. Il fait pas extrêmement froid. Donc ça c'est bien pour nous. Ok. Bon, ce qui est bien c'est qu'on... On a plein de bois. Donc on peut faire un grand feu si on veut. On a deux carcasses de loups. Donc ça nous fait pas mal de calories aussi. Oh waouh, c'est un camion ça. Ah ouais, violent. Et on a la grotte. Pour s'abriter. Donc honnêtement, c'est plutôt sympa comme zone. Oh, c'est pas un bâtiment ça. C'est plutôt sympa. J'ai envie de dire. Et puis en plus c'est les zones un peu que j'aime moi. Parce que c'est pas des grandes plaines, genre la vallée charmante, moi je crois que c'est celle que je déteste le plus au monde. Mais après, il y a par exemple la zone comme le lac Mystère. Le lac Mystère est sympathique parce que c'est une zone assez facile, surtout pour débuter. Mais ça reste quand même une zone bien large. Je vais pas prendre cela parce que comme ça, on ira visiter de ce côté. Mais ça reste une zone bien large qui est quand même un peu chiante à traverser. Donc je suis pas extrêmement fan, honnêtement. Après, il y a l'autoroute côtière. L'autoroute côtière est un peu plus intéressante. Enfin, je la trouve un peu mieux pour moi. Parce que on a un peu tout aux mêmes endroits. Mais si jamais on veut... J'avais dit quoi où il y avait le bâtiment?
Ah non, c'était des pierres en fait. J'arrive. Il y a plein de trucs partout quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais s'il faut se déplacer, ouais, donc c'est en fait c'est plusieurs petits villages, faut qu'on aille là. C'est plusieurs petits villages en fait sur l'autoroute côtière, vous voyez, le long de l'autoroute en fait. Donc c'est embêtant pour se balader quand même. Mais là, les petites zones comme ça, où il y a des abris, il y a plein, il y a pas mal d'arbres et tout ça, il y a tout en fait tout à côté et c'est sympa. Je sais pas, moi j'aime bien. Je préfère un endroit comme ça que des grandes. Des grands endroits ouverts. Puis il y a plein de petits détails aussi. Faudrait qu'on aille là-bas, mais j'ai envie de continuer la route. C'est un peu embêtant de rien voir quand même. Qu'on aille se reposer ou alors... Jesus, it's cold. La route a l'air quand même bien bien grande. On va peut-être faire demi-tour. Parce qu'on est lourd. Hein. Ouais, on va peut-être faire demi-tour. On va faire demi-tour et on va... On va dormir et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que sinon... Ça va pas le faire. Parce qu'en fait, d'un côté il y a l'inconnu, de l'autre il y a une zone safe et tout ça, avec la grotte et tout machin, et de la viande partout. Donc je préfère rester de ce côté-là, qu'on soit, qu'on refasse le plein. Par contre, je veux bien aller visiter là-bas. Ah, mais allez, elle est froid aussi. Mais je veux quand même aller visiter. Parce que notre vie est bonne. Donc je voudrais voir ce qu'il y a là. Ça avec les mains sans gants, quoi. Serait-ce une sorte de raccourci? Après, on n'a pas besoin d'aller récupérer la viande maintenant, parce qu'on a encore 1 kg de viande sur nous, et de l'eau. Donc, ça va. C'est juste la chaleur, là, qui nous poserait un problème. Est-ce qu'il y aurait un bâtiment ou pas? Ouais, bof. Allez, on se casse. On va retourner dans la grotte. On va retourner dans la grotte. On va la jouer safe et on va faire tout en même temps. C'est-à-dire qu'on va, on va retourner dans la grotte. Dormir. Qu'on sortira. On prendra la nourriture. On va la faire cuire, etc. Voilà, comme ça on est paré pour l'aventure en fait de la zone, vous voyez ce que je veux dire? Autant en profiter, parce qu'on a été un peu... On a un peu chanceux là, sur le coup des deux loups. Parce que, par contre elle fatigue vite. Ouais, moi j'ai pris... Ouais, je crois que c'est ce bois là que j'ai pris pour monter. On peut passer directement. Oh, il y a du. On est bon. On a l'air d'être bon. Là, c'est loup numéro 2. Là, c'est loup numéro 1. On a encore nos pas. Juste au cas où. Ouais. On devrait être bon. On
est à 51 kg. Et elle est fatiguée. Donc du coup, on pèse extrêmement lourd. Voilà, parfait. Et c'est là que j'ai oublié mon sac de couchage. Non. Voilà, parfait. Presque nuit. Très bien. Donc ça c'est la sortie. Arrête de te plaindre. Bon. On va se mettre là. J'avais vu qu'il y avait ça. Il y a un cerf aussi ici. Ah. Intéressant. Je suis en train de me dire si ça vaut pas le coup en fait de le faire vraiment ces trucs là. J'avais pas fait gaffe au cerf. Mais on est dans la même grotte. On est bien... Oui, on est bien dans la même grotte. J'ai l'impression de péter un câble. Alors on va se mettre là. Très bien. On va manger avant qu'on perde tout notre bonus. Très bien. Voilà, parfait. Alors je pense pas qu'on va dormir très longtemps au final. Mais juste le temps de se récupérer. Comme ça on peut faire un feu et tout ça. Parce que là on n'a pas trop de calories en fait. Donc on va faire... Enfin quoique honnêtement on est bon. Non, on va faire 8 heures. Voilà. 8 heures c'est un peu pour nous remettre d'aplomb. Et maintenant on va pouvoir récupérer toute la viande en fait qu'on a. Genre le cerf là par exemple qui est là. Voilà, très bien. Alors, le cerf qui est ici. On peut faire ça. Très bien. Le cerf c'est mieux, hein, ça nous donne plus de calories pour la viande. Donc autant en profiter. Par contre, je pense qu'on va faire un feu en bas. Ou dehors. Ça sert à... Parce qu'en fait, à l'intérieur, j'ai pas besoin de faire de feu. Parce que je me suis dit, l'habitude de faire genre un feu à côté d'un bois pour pouvoir couper le bois, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, on n'a pas besoin de faire un feu à l'intérieur parce qu'il fait chaud. Donc on peut faire un feu à l'extérieur, si on veut. Mais un feu à l'extérieur, c'est comme d'habitude risqué. Genre là. Non. On va faire un feu à l'intérieur. On va faire un feu à l'intérieur. C'est trop risqué de faire un feu à l'extérieur. Par contre, du coup, on va le faire en bas, je crois. Genre à côté de la carcasse, pour que ça soit plus... Sur un endroit plat. T'es bon? T'as fini de te plaindre? Merci. Genre là, en plein milieu, ça va bien éclairer. On a combien d'allumettes? 24 encore, on a aussi le Fire Steel. Fire Steel, je sais pas combien de pourcents ça prend. Je crois que c'est 2%, je suis pas sûr. La loupe, et ouais, ça va. Donc là, on va faire un feu long, parce qu'on a quand même beaucoup de morceaux de viande à cuire. Après, comme je dis, le mieux, ça serait de faire un feu à côté du de la carcasse, mais on a le couteau, donc on... même s'il y a une tempête, genre on met 10 minutes pour récupérer plein de morceaux de viande, donc ça va vite. 40 minutes.
Là. Gibier cuit. Mange. Ah, ça aurait été con hein, de perdre le. Ça aurait été con hein, de perdre le bonus de calories là pour une connerie. Oh putain, j'aurais. Ah, je me serais énervé. Oh, je me serais énervé contre moi-même. Ah, j'aurais été. J'aurais été putain de vert. Oh la vache. On a 6 heures de feu. Très bien. Là, on va se fatiguer à faire tout ça. On va vraiment se fatiguer à faire tout ça. Mais c'est utile. Il faut qu'on le fasse. Il faut absolument qu'on le fasse. Comme ça, on sera bon pour partir. Très bien. Ah, j'aurais pas dû boire autant d'eau. J'aurais dû prendre un thé pour avoir le bonus de chaleur, mais c'est pas grave, c'est pas très loin. Même s'il fait extrêmement froid, de toute façon on va pouvoir dormir et tout. D'abord, je voudrais prendre ça. Encore des champignons à prendre. Là-bas. Oh là là! Ça a l'air méga grand en fait. Là, on va. Là, honnêtement, l'endroit est vraiment cool. Hein, parce que, je le répète, hein, là, on a un très très bon endroit. Une très grande grotte où on peut dormir. On a du bois, on a de la nourriture. Là, c'est. On va dire que c'est compliqué pour faire mieux. Hein. C'est très très compliqué pour faire mieux. Je vais être honnête. Bon, après, je suis pas super fan des bruits là. Honnêtement, on peut même, comme j'ai dit, prendre des dégâts pour le froid parce qu'on va devoir redormir. Parce qu'on met trop de temps en fait à faire les choses. Il y a trop à cuire, il y a trop à faire en fait. Donc du coup, de toute façon, on va devoir redormir. Donc c'est pas très grave. On a quoi, 30 minutes ?
On va récupérer le deuxième loup. Je pense pas qu'on va tout prendre. On a à peu près 20 minutes de cuisson. Et après, je crois que c'est à peu près quoi, 40 minutes pour que ça brûle. Donc, on n'est pas pressé, mais je veux la jouer safe. Ah, on a le cerf aussi. Ça va, il n'y a que 4 kilos. On a aussi la viande de cerf à récupérer. Après on a les peaux plus les boyaux. Je dirais pas non, parce que honnêtement, comme j'ai dit, c'est tout un peu réuni au même endroit, donc autant genre prendre les boyaux aussi. Comme ça, ça nous fera de la ficelle si jamais, ou alors si jamais on doit coudre des vêtements en peau, etc. etc. Ah, vous voyez, donc autant le faire, ça aussi. Bah du coup, on va pas trop avancer. On va juste se préparer, surtout. Voilà, parfait. Okay. Alors toi, t'es le petit... ouais, non, après, c'était toujours un kilo. 40, très bien. On va manger ça. Très bien, on a coupé ça, on a coupé ça. Ah oui, j'avais dit que 50 minutes. On peut le faire à la main. Enfin bof. Je me rappelle plus par contre. Le couteau, on peut les réparer, parce que je me rappelle que à la foreuse, non c'est pas la foreuse, la fraiseuse pardon, on pouvait réparer genre carcasse en trop mauvais état. Ah, on peut plus prendre la peau, hein, c'est con. Bon, pas grave. Ah, ça me fait chier ça. Bon, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. On pouvait réparer la scie. Je sais qu'on a réparé la scie. Est-ce qu'on pouvait réparer la hache et le couteau? Je crois, hein. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Après, je crois bien qu'on a encore des pierres pour aiguiser. Maintenant, on ressort pour aller récupérer le cerf. Le cerf. Là, par contre, on va essayer de prendre la viande plus la peau, par contre. Parce que la peau, oui. La peau du cerf, oui, ça aurait été bien. Pour les loups, c'est plutôt les boyaux, mais pour le cerf, ouais, non, la peau, je pensais vraiment pas qu'elle allait comme ça. Qu'elle était en si piteux état, en fait. C'est embêtant parce que là on va
inverser notre jour et nuit. Bon, après, on a un mauvais temps maintenant. C'est pas trop grave en fait. On va surtout manger en premier le loup. La viande de loup. Puis après, on va garder la viande de cerf de côté. Enfin, surtout si c'est des steaks de 1 kg à chaque fois, parce que c'est 900 et quelques de calories, alors que le loup c'est un peu moins. Donc, ratio poids-calories, c'est pas la même chose. Hop. Hop. Ouais, il a disparu. Alors, hop. Heures. On a la peau. Oui, on a ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. On aurait dû prendre le lapin derrière. J'aime pas en fait l'avoir mis là. Il était loin le lapin? Je me rappelle plus. Pas très loin qu'on a laissé. J'ai envie d'aller le chercher, moi. Ah, le problème, c'est qu'elle est déjà fatiguée, quoi. Ouais, mais putain, faut reprendre la grotte. Oh là là, le bordel. Je crois qu'il... Faut qu'on dorme. Le problème, c'est qu'elle est déjà fatiguée. Oh là là, qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment envie d'aller récupérer le lapin. Fait combien lui? 85. 'est un lapin, c'est la peau, c'est important. Parce qu'on a les moufles, on a les, la chapka, c'est important. Donc, peau de lapin, c'est... Honnêtement, ouais, peau de lapin et peau de cerf, c'est les plus importants. Non, là-bas. Donc on va aller récupérer notre lapin. C'est déjà qu'on en a perdu un à cause du loup, là. J'ai mis trop de temps à le tuer. Je crois que c'était quand même bien loin. Oh merde, c'est là. Ça, la grotte est pas très compliquée, ça va. Oh, on a le steak ici aussi. C'est vrai. Ah, on peut peut-être prendre le gibier. Il faudrait nous prendre la peau aussi. Je crois qu'il était pas loin, t'es genre là. Il souffle d'où le vent? Mon côté gauche? Ah, mon côté gauche. Ça doit être là. Là, non?
Yes. Ok. On a le lapin, on va... Ah, la viande, elle va pas brûler quand même. Ça va, on est rapide. On va prendre le, la viande de gibier et j'ai envie de prendre aussi la peau. Donc ça va faire 20 minutes peut-être. 28 pour la peau. Ça va faire une cinquantaine de minutes plus la, notre course. Ouh, j'ai peur qu'on perde un morceau de viande. Je sais pas. Après on pourrait faire un aller-retour encore, mais je vais être honnête, j'ai pas vraiment envie de ressortir. En plus elle est fatiguée, donc j'ai pas envie de refaire encore un aller-retour. Il y a du bois partout. Ouf, on est bon. On est bon. Encore une fois, on l'a poussée à bout. Elle va être épuisée, mais ça vaut le coup. Ah, par contre, ouais, comme j'ai dit, il est midi. Donc du coup, on va inverser jour et nuit. Ça, c'est un problème, ça. On est à combien de l'épisode? Ouais, on est à peu près à une heure. Ah, on fait... Au final, ça allait vite. Hein. Je pensais vraiment pas, parce qu'on a... On a pas fait grand-chose. Enfin, on a fait peut-être beaucoup d'aventures, en fait, concentrées. Genre, on a découvert la nouvelle zone, on a combattu les loups direct, et tout. Puis maintenant, on fait un peu des allers-retours sans cesse. Mais bon, c'est pas très grave. Mais ouais, je crois qu'il y a encore une bonne zone à trouver. Et après, en théorie... Si c'est en bas de la carte, les gardiens du col, là. Du coup, Blackrock, c'est en haut. Du coup, on devrait arriver à la... À la... Merde. Ah, les deux, quoi. Ah, j'ai fait de la merde. C'est 1000 calories perdues. C'est bien. Attendez. C'était vraiment cool. Ça nous fait... Oui, on sort à la... Genre à la plaine, je pense. Bon, on va aller dormir et ça va être la fin de notre épisode parce que là elle est vraiment défoncée. Je sais pas, est-ce qu'on regarde le feu ou pas? Honnêtement, je sais pas. Si on veut faire de l'eau. Si on veut faire de l'eau, donc on va garder le feu. Je suis en train de me demander si c'est pas une connerie ce que je suis en train de faire. C'est juste pour économiser des allumettes. Ouais. C'est surtout pour économiser des allumettes pour pas avoir rallumé le feu en fait. Mais il faut qu'on fasse de l'eau. Ok, ça sera tout pour notre épisode. La prochaine fois, on finira le lapin et tout ça. On va dormir. Parce que là, elle va tomber dans les pommes. Et ça sera tout pour notre épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé.
À la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous. Et on va dormir 11h. C'est parti. Ciao ciao.